Ta fierté, c'est le leader price, frère. 10 000 euros, frère. C'est quoi ça? 10 000 euros, c'est énorme. C'est quoi ça, frère? 10 000 euros. 10 000 euros, frère. C'est quoi ça? Vas-y, vas-y. Recule. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'avais sorti un tout nouveau clip sur ma chaîne Mikalash Music. Je vous mettrai le lien en description. Franchement, merci à tous ceux qui auront donné de la force. Et merci à tous ceux qui me soutiendront dans ce projet qui me tient énormément à cœur. Au passage, pour tous ceux qui s'intéressent à ma musique, j'ai créé un compte Instagram spécial pour ma musique. Il y aura plein d'infos et d'exclus dessus. Donc le compte s'appellera Mikalash Music. Je vous mettrai aussi le lien en description. N'hésitez pas à venir me suivre. Ouais, je suis pas normal, de naissance à l'emballe. Son pensée marginale, une croissance anormale. Ah, ouais, je suis pas normal, de naissance anormale. Façon de penser marginale, une croissance anormale. Salut l'équipe, c'est Mikalash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tout simplement piéger ce qu'on pourrait appeler un michetonneur. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup des michetonneuses, j'en ai d'ailleurs déjà moi-même piégé, mais on oublie qu'il y a certains mecs qui sont parfois bien pires. Et c'est pour cela que je me suis dit que dans cette vidéo on allait essayer de piéger un michetonneur. Donc en gros, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu tester le pouvoir de l'argent. Voilà, inutile de vous en dire plus, vous allez voir, de toute façon la vidéo parle d'elle-même. Je vous conseille de la regarder dans son intégralité afin de bien comprendre. Et voilà, sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like en dessous de cette vidéo si elle vous plaît. Comme vous le savez, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne bien sûr pour suivre les futures vidéos et de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, vous avez mon clip en description. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes dessus, ça me fera super plaisir et ça me soutiendra énormément dans mon projet. Sur ce, c'était Mikalash et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Ah, salut frère, excuse-moi, ça te dérange pas si je m'assois? J'ai un peu mal à la jambe là. Ça va, tranquille, bien? Ouais, je m'assois 2 minutes, j'ai... Ah, ça fait du bien. Ah, putain, on est bien là. Ça va, tranquille. Il fait beau aujourd'hui. Hein. Ouais, il fait beau. Le soleil, il est ensoleillé, frère. Je parle pas trop, je suis ici calme. Ah ouais, non, ok. Tranquille, pas de soucis. Parce qu'après, il y a des bancs là-bas, si tu veux aussi. Non, c'est bon, je suis très bien. Il est plutôt beau, ce banc, tu vois. Genre, il me plaît bien. C'est pareil, c'est une boîte chaîne, je crois. Ouais. J'ai un peu mal et tout. Tu vois. Non, ah, si tu veux, tu restes là et tout. C'est bon, c'est du bonjour. Après, tu me parles plus. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, frère, toi, en fait, genre, tu fais quoi ici? Tu viens te balader un peu? Rien, hein. Ma meuf m'a gavé, je viens ici, je me mets au calme. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, t'as une meuf? Ouais. C'est bien, ça? Bah ouais. Mmh. Ouais. Pas toujours facile, hein? Ah, tu connais les filles, hein? Ouais, pas toujours évident, hein? Eh ouais, putain, tous des putes. Hein. Ah ouais? Eh ouais. À ce point, comme ça? Je te jure. Ouais, c'est vrai, la dernière fois, il m'est arrivé un truc de fou, frère. Genre, j'étais avec une meuf et tout, commence à me gaver et tout. Je dis, ouais, c'est bon, vas-y, taille de là. Ça m'a gavé, frère. Des fois, des histoires de ouf, gros, elle doit rendre fou des fois. Pareil, une fois là, comme toi là, je viens, je m'assois à côté d'une meuf et tout. Ouais. Elle me dit casse-toi, connard et tout. C'est vrai? Rien fait et tout, je te jure. Mais quoi, genre tu l'as demandé? Mais quoi? Non, même pas et tout, je viens, je m'assois juste avec comme toi, genre on s'assoit sur un banc. T'as quoi, tu t'es essayé de l'accoster un peu? Ouais, j'avoue, je voulais l'accoster. Ah ouais, tu connais. Et là et tout, je vais commencer et tout, je fais une vieille technique, genre je fais ah, comme ça là. Ouais. Je vais mettre comme ça et tout, oh, casse-toi, sale connard et tout, nanana. Ah, t'as commencé à essayer de la toucher quoi? Ouais, voilà, et elle me tire la main comme ça, elle se met debout. J'envoie une balayette, tu vois. Balayette, carrément. Tout, je te jure. Tous des p***. Et là, après, il y a des... Voilà, tu vois, tu peux pas faire ça. Ouais, tu fais quoi, là? Pas mal, hein. Oh. Ah, Non, frère, désolé, je suis en train de... Tu fais quoi? Oh. Non, non, c'est bon, tu me disais quoi? Tu l'as balayé? Tu l'as balayé, frère? Ah ouais, je l'ai balayé. Putain, t'es un malade, toi. Mais frère, elle veut faire les bonhommes quand tu les frappes, après, voilà. Ah, mais c'est quoi, T'avais essayé de la toucher et tout, frère? Tu sais, juste comme ça, juste pour me rapprocher et tout. Ah ouais, d'accord. Comme ça, il était mignon et tout. Putain, il était pas mal, franchement. Qui? Le mec est passé, là. Casse-toi. Pourquoi tu parles des mecs comme ça, là? On parle de meufs, tu me parles de mecs. Ah non, mais je sais pas, frère. Parce qu'après, c'est vrai, les meufs, elles gavent un peu, tu vois. Des fois, je me dis, on est mieux entre hommes, quand même. Comment? En potes? Entre potes? Ouais, entre... On s'amuse et tout. Ouais, voilà, tu sais, entre poteaux, on est là, on s'amuse, ouais. On déconne. Et tu sais, on se rend des petits services, un peu, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, genre s'il y a besoin d'aller frapper quelqu'un et tout, genre. Non, plutôt des services du genre... Non, trop vieux ça, ça je... Là. Non, des petits services du genre... Il y a un bon... Il s'est bien conservé quand même. Hein. Mais t'es fou toi. Non, genre des petits services... Quoi? Tu commences à parler de mecs comme ça, tu prends, tu t'es... Qu'est-ce que tu fais là? Reste tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? Deux fois, des mecs qui passent là, tu montes leur je sais pas quoi là. Toi, c'est vrai que toi aussi, frère, t'es plutôt... En vrai, genre, pourquoi les meufs? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis pas p***, moi. Non, j'ai compris. Mais ça m'est... Pourquoi les meufs, en vrai? On est entre hommes, on est viril, tu vois. Une meuf, ça dépend, c'est un b***, c'est une... Mais qui connaît mieux un autre homme qu'un autre homme, frère? Déjà, je suis pas ton frère. Toi, j'en suis sûr, tu pourrais me faire des trucs de ouf, frère. T'es fou, toi. Non, pourquoi? Oh, tu veux vraiment... Qu'est-ce que tu fais? Ben non, frère, moi, je préfère être... La petite branchette. Arrête de regarder des mecs. Pourquoi? Mais t'es fou. Mais non, frère. Tu vas me faire griller là, le mec il va croire. Mais non, frère. Oh, regarde celui en jaune.
Qu'est-ce qui t'arrive, frère? C'est bon, vas-y, reste tranquille. Putain, t'es musclé, frère. Ah, t'as des pecs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frère? Reste tranquille. Reste tranquille, frère. C'est bon, vas-y. Quand tu t'énerves comme ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frère? Je t'aurais balayé, tu serais. Je t'aurais retourné là. Oh, gros, attends, fais un peu comme ça, fais un peu les abdos fessiers comme ça, genre. Genre en mode comme ça. Ah, c'est un malade, lui. Il dit, ouais, je balaye les meufs, je sais pas quoi. Attendez, on va s'occuper de lui, on va s'occuper de lui. Non, frère, je viens juste proposer un truc. Ça va, frère? Non, tranquille, je vais te proposer un truc, t'énerve pas. T'arrêtes de me parler des mecs, je sais pas quoi, j'aime pas les mecs de ton genre, là. Comment ça, les mecs dans mon genre? Je sais pas, les mecs comme ça, qui tournent autour d'autres mecs, j'aime pas, je déteste. Un peu de respect, frère, en fait. Non, pas de respect. On est en 2018, non? 2018 de quoi? Un peu d'ouverture d'esprit, non? Y'a pas d'ouverture d'esprit avec moi. Soit tu viens ici, on parle de meufs, de bon et tout, soit tu te casses. C'est bon, frère, je te parle plus de ça. T'es sûr? Je suis désolé. On va parler de ça, je te jure, je te casse en deux. C'est bon, je vais te proposer un truc, en vrai. Tu vas me proposer quoi? Viens, on se pose tranquille. Tu vois, j'ai ramené la sacoche et tout. Regarde, Louis Vuitton, frère. C'est une vraie? Bah ouais, frère. Touche un peu le sang, il faut que tu sentes un peu le. T'as sens le bon mal, le bon. T'as vu ça, frère? Ça va, frère? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bizarre. Pourquoi? Tu me fais sentir sa sacoche et tout là, t'es bizarre. Mais non, frère, pourquoi tu rigoles? Ça va, frère? T'es trop bizarre. Mais non, c'est bon, frère, vas-y, je rigolais tout à l'heure, t'as vu? J'espère bien. C'est bon. Non, je venais te proposer un truc, je venais te parler un peu affaire. Affaire de quoi? Un peu business, tu vois, j'ai sorti la sacoche business. Et là, je suis. Qu'est-ce que t'as, frère? Ça va, quoi? Oh, t'es trop bizarre, toi, t'es pas net dans ta tête. Pourquoi? Je sais pas, tu joues le rôle d'un mec qui aime les mecs. Regarde, regarde. C'est bizarre, genre, tu fais passer business, je sais pas trop. Regarde ce qu'il y a dans la sacoche, regarde, je vais t'expliquer. Déjà, regarde ce qu'il y a dans la sacoche. Juste, tu regardes, tu touches pas, regarde juste. T'as eu ça où? Touche pas, je vais t'expliquer. D'accord? Attends, montre. Touche pas, je vais t'expliquer. Mais quoi, la montre? Non, écoute. Pose-toi, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Pose-toi. Pose-toi là. Tu as eu tout ça? Dans la sacoche? Tu as eu? Dans la sacoche, il y a 10 000 euros. Oh. Pose-toi, je vais t'expliquer. Oh, tu m'en donnes un peu? Ah, attends, frère, écoute, tranquille. T'as vu tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, je sais pas quoi, j'aime pas les mecs dans ton genre et tout. Bah ouais, normal, j'aime les meufs, moi. Moi, maintenant, frère, je vais te proposer un petit truc, tu vois. En gros, t'as vu, je t'ai parlé d'échange de services. Ouais, bah si, frère. J'ai compris. T'as compris? En gros, je te parle d'échange de services, tu vois. Tu me rends un service, tu vois très bien de quoi je veux parler, frère. Je te passe les 10 000 euros. On fait ça en 5 minutes. Monte, je compte. Non, tu comptes après, frère. On va là-bas, tranquille, tu vois. Tu me rends un service. Je peux pas, je suis un homme. Frère. 10 000 euros, frère. Je peux pas, 10 000 euros, je peux pas. Tu peux pas? 10 000 euros, c'est beaucoup quand même. 10 000 euros, frère. 5 minutes, 10 000 euros. T'as déjà vu un messier qui rapporte autant, frère? Est-ce que t'as déjà vu un truc qui te rapporte autant, frère? En 5 minutes, tu te fais 10 000 balles, frère. Oh, putain, je m'achète grave de trucs. Ah, du coup, là. Là, tu commences à aimer les mecs dans mon genre, là. Bah, c'est juste que t'as l'argent, hein, crois pas. Hein. Arrête, frère. C'est pas que l'argent. Avoue, tu me trouves un peu séduisant quand même. Arrête, parce que je vais te voler ta sacoche, je vais partir avec toi. Tu vas rien voler du tout, frère. Tu vas rien voler du tout, frère. Remonte. Alors j'ai vu, tu m'as mis un coup de pied, frère. On aurait dit une danseuse étoile. Je me suis dit, il me fait une la danse classique, frère. Vas-y, calme-toi, frère. C'est bon, tu veux ou pas? On fait ça ou pas? Remonte-moi ça. De quoi remonte-moi ça? De quoi tu veux voir? T'es sous là. Touche pas, frère. Je te préviens, touche pas. C'est vrai en plus, hein. C'est sûr, il y a 10 000, tu m'arnaques pas. C'est sûr, il y a 10 000. Tu veux faire quoi? On va là-bas, je t'explique. Bon, t'as compris, non? Pas besoin de se dire les choses, t'as compris ou pas ce que je veux? Ouais, moi j'ai une fierté. Ah frère... C'est entre nous, ça? Bah oui, ça reste entre nous, t'inquiète. Personne ne le saura. Il y a des gens et tout ici. Non mais on se trouve à un endroit tranquille, tu vois. On s'échange un service. Et puis voilà, frère, c'est tout, hein. Vas-y, je connais un endroit sympa là-bas. Là. Ouais, ça reste entre nous, tu veux que ça reste entre nous? Ouais, je le dirai à personne. Parce que je comptais filmer et tout, mais genre... T'es fou, toi? Non, c'est bon. T'es fou. C'est bon, on va pas filmer, toi. C'est ton téléphone, c'est moi qui garde ton téléphone. Ça marche, vas-y. On va là-bas? Allez, hein. Vas-y. Ah, mais attends, frère. Quand même. Quoi? Bah, frère, attends, tranquille, attends qu'on arrive là-bas, là. Je sais pas, tu veux jouer le rôle du. Non, mais. Moi, je veux jouer le rôle, hein, pour te mettre dedans. Hein. Ouais, mais c'est bon. C'est bon, frère. Relax et tout, hein. Non, en vrai, frère, je voulais te dire un truc, frère. En vrai, gros, je te prends pour un con depuis tout à l'heure. Pourquoi tu me prends pour un con? Parce que, gros, t'étais prêt à faire ça pour 10 000 euros, t'es sérieux? Bah ouais, normal, 10 000 euros, c'est de l'argent. Mais gros, ta fierté, c'est quoi? C'est une fierté Lidl, frère? Ta fierté, c'est Leader Price, frère.
10 000 euros, frère, c'est quoi ça? 10 000 euros, c'est énorme. C'est quoi ça, frère? 10 000 euros. 10 000 euros, frère, c'est quoi ça? Vas-y, vas-y, recule. Recule, recule. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, recule. T'as dit, on fait des business entre hommes, je sais pas quoi. Ah, frère. Frère. Je savais même pas que t'allais. Je me suis dit, ouais. Genre, je savais pas que t'allais dire oui comme ça, frère. Tu me prends pour. Tu veux que je devienne fou là ou quoi? Ah, frère, t'as. Oh, tu veux que je sais? Ah, frère, franchement, tu fais pitié, frère. Tu me dis des trucs comme ça. Tu me fais de la peine, franchement. J'ai même pas envie de. Gros, tu sais quoi? Tu me fais de la peine, tu me fais pitié. Arrête, je te propose 10 000, tu veux que je te. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, c'est quoi? Rentre chez toi, prends une douche bien froide, ça va te remettre les idées en place, frère. Vas-y, vas-y, me suis pas, frère. Tu racontes à tout le monde. Tu racontes à personne, frère. C'est bon, vas-y, rentre chez toi, gros. Rentre chez toi, c'est bon. Frère, tu fais pitié. J'ai même pas envie de te parler. Tu fais pitié, frère. Oh, tu fais grave pitié, frère. Ah, oh, putain, 10 000 euros. Il est prêt à faire ça pour 10 000 balles, le mec. Oh, c'est un malade. Qu'est-ce que t'as? Quoi? Comment ça, c'est qui ça? Qu'est-ce que t'as là? Ah, c'est qui ça? Ouais, je suis pas normal, de naissance à l'emballe. Façon de penser marginale, une croissance anormale. Ouais, je suis pas normal, de naissance à l'emballe. Façon de penser marginale, une croissance anormale.